以来ベトナムでオーサーハウスを開設し国際知り合い協会会長ビビールさんの後任でいらっしゃいますが国際知り合い協会会長を任されてその後独立してボルトーに正職の学校を作り大成功させたそうでございます。その学校が大規模になったため現在サンゴダンスに移設されているそうです。それではルネ・レビーさんからのご挨拶でございます。Je me demande pourquoi le Japon est si loin. Pourquoi nos langues sont si différentes. Heureusement que la macrobiotique est là pour nous rassembler. Et si nous suivons l'exemple de Lima au Savoie, nous serons souvent ensemble jusqu'à 100 ans. Cher Lima, c'est un grand bonheur de vous retrouver et de vous féliciter pour votre anniversaire d'un siècle. Vous avez montré pour la première fois dans le monde un art culinaire unique, un art culinaire qui donne et redonne la vie. Et j'ai eu la faveur d'être un de vos élèves. Je vous remercie du fond du cœur pour votre patience exquise. Je sais que votre longévité est une récompense pour votre œuvre avec Georges Osawa. Cette œuvre, vous l'avez prolongée malgré votre tristesse quand il est parti. Comment dire notre émotion ? Aujourd'hui, en France et en Europe, des milliers et des milliers de personnes sont en pensée avec vous. Ils auraient voulu être ici. Ils n'ont pas pu venir. Je suis leur messager pour vous dire leur amour et leur admiration. Surtout les anciens de France. Mademoiselle Tabary. Monsieur Simon Taillet, Pierre Gardel, Monsieur Sablé, Pierre Gébert et sa famille, tous ceux que vous avez rencontrés pendant vos visites, ils n'oublient pas. Nos amis sont emplis de votre présence. Car votre vie rayonne. Votre vie brille et cette lumière est bienfaisante. Votre préparation culinaire macrobiotique est non seulement délicieuse, mais elle est Shyōjin Ryōri, la pensée de l'infini. Elle est un modèle de simplicité, d'élégance et de beauté. Et c'est sa pureté qui soulage la souffrance. Avant de vous rencontrer au camp de Chelles en 1956,
Je ne savais pas que la nourriture, c'est établir la paix. Maintenant, je le sais. Et une foule de gens prennent cette voie grâce à vous. Car la justice est la volonté d'établir ce qui est juste. Je salue en vous un maître de justice, censé au savoir être fier de vous. Depuis 1976, nous sommes tournés vers vous. Comme vers une mère, je voudrais rester près de vous. Et vous aider. Mais l'activité macrobiotique est trop absorbante. Je m'en excuse profondément. Encore toutes les félicitations. 100 ans, c'est du verre de la vie. Et vous êtes un printemps. Un éternel printemps. Merci à vous. Merci infiniment. Merci aux amis macrobiotiques et japonais pour cette fête magnifique. Nous sommes ensemble toujours. C'était quand même un sacré discours, quoi. Oui. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Les paroles sont bien. Ouais. Bon. Ouais. Oui, mais demain on part au Fuji à 9h30. Faut pas oublier que. Demain, c'est encore une sacrée journée, hein. Ah, demain, c'est une sacrée aussi. C'en est une sacrée demain. Alors. Ah oui, alors là, ça va être. Attends, je t'interromps, papa. On va voir. On va regarder la fin du discours, si tu permets. La fin, tout de suite. Aussi. Nos langues sont différentes, mais il y a des petites chansons que tout le monde connaît dans le monde. Il y a la vie en rose. La vie en rose. Alors, la vie en rose. Mais il y a aussi Frère Jacques. Frère Jacques. Attention. Frère Jacques. Frère Jacques. C'est un grand bonheur d'avoir pu venir jusqu'ici pour vous voir.
さて、続きましてはアメリカからでございます。先ほどシーン・インスティというのが皆さんの中で、簡単な自己紹介いただきましたけれども、クシーン・インスティというのの教授で、マクロビオティックに関してはマダム・リマー・ベクレービー・トゥーサン・アンサンブル感謝の意を述べたいと思います。アメリカのですね、歯学院マサチューセッツ。それではこれから桜沢リマン会長も退席されます。我々も共に100歳を壁のぐらいの元気で頑張っていきましょう。乾杯。どうも、メッシュバック